Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices d'Allemand Voitine, bonjour. Shalom, salam alaikum. L'émission précédente portait sur la place de l'homme dans la création. Aujourd'hui, je vous propose d'examiner la relation de l'homme avec son créateur au travers des trois dernières traditions monothéistes. Le rapprochement de celle-ci par la lecture comparée offre des perspectives différentes sur les messages et nous enrichit intellectuellement et spirituellement. L'homme est décrit dans les trois dernières traditions monothéistes comme porteur d'une étincelle divine qui est dans le corps terrestre. Ce corps fait de matière, cette terre, et dans laquelle l'esprit s'est incarné pour la durée de notre vie ici-bas. Or, l'esprit est une étincelle de Dieu dans l'homme, et elle est vivante, tout comme Dieu est vivant. Et c'est une petite partie de Dieu qui vit en nous, c'est le Neshama en hébreu. L'esprit, dans la tradition chrétienne, spiritus en latin, ruh, dans la tradition musulmane. Et dans le Coran, il est précisé à ce sujet. Il t'interroge au sujet de l'esprit, dit. L'esprit relève de l'ordre de mon Seigneur, et il ne vous en a été donné que peu de savoir. Et pour les trois dernières traditions monothéistes, l'homme est comme un exilé pour un temps limité dans le monde terrestre. On se rappelle nos cours de religion avec l'image d'anges armés d'épées en feu à l'entrée du paradis, tandis que Adam et Ève en sortent. Adam et Ève représentent les archétypes respectivement de l'homme et de la femme. Et c'est une histoire très lointaine de l'humanité, mais c'est notre histoire. Il est écrit dans la Genèse, Dieu a banni l'homme du jardin d'Éden. Vayeshal shehu Adonai Elohim migan Eden. Alors Adonai Elohim est habituellement traduit par Seigneur Dieu. Selon la tradition, Elohim dénote une création avec une justice rigoureuse, tandis que le mot Adonai dénote la miséricorde. Et on traduit Adonai Elohim par Dieu. C'est le Bismillah Rahman Rahim qui commence le Coran au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Mais l'homme n'a pas été mis sur terre et abandonné à son sort. Et dans les trois traditions monothéistes, on parle d'alliance entre Dieu et ses créatures. Alors, dans l'Ancien Testament, on trouve la référence à cela, mais aux prophètes. Mais l'Ancien Testament est appelé l'ancienne alliance entre Moïse. Enfin, entre Dieu et Moïse, sur le mont Sinaï. Et le Nouveau Testament est appelé par les chrétiens comme la Nouvelle Alliance. Mais l'expression « testament » peut prêter à confusion parce qu'elle donne l'impression qu'il s'agit d'un écrit rédigé par quelqu'un qui est mort. Donc, parlons plutôt d'alliance. Et il y a eu différentes alliances entre Dieu et ses créatures. Ces alliances ont été transmises par les messagers et les prophètes qui ont été envoyés à travers tous les temps aux différents peuples de la terre. Et dans la Bible, une partie s'appelle les prophètes, Nevi'im. Et vous y trouvez de nombreux prophètes, certains
connu d'autres mois. Et en hébreu, le terme Nabi comporte une autre notion que celle véhiculée par le mot prophète, prophétiser. Cela signifie, Nabi signifie plutôt produire, plutôt qu'apporter au devant. Dans le Coran, après, il est précisé qu'après l'avoir commis une erreur, Adam revient repentant et Dieu accepte le repentir de sa créature parce qu'il est le créateur, le pardonneur et celui qui accueille le repentir. Mais il annonce également qu'il enverra une guidance, une alliance, en précisant que ceux qui la suivront n'auront pas de crainte ni de chagrin. Elle dit, il revint repentant auprès de son Seigneur et il est précisé, toutes les fois que je vous enverrai un guide, ceux qui le suivront n'auront rien à craindre et ne seront pas affligés. Fataba alayhi innahu huwa tawwabur rahim. Il continue. Fa imma yatiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Et le pacte d'alliance, le pacte ou l'alliance entre Dieu et l'humanité se produit poursuit à travers tous les prophètes. Dans la Genèse, on parle de l'alliance avec Noé. Et il est fait référence à l'arc-en-ciel mis dans les cieux. Et il est dit ceci dans la Genèse. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair sur cette terre. Vayomer Elohim el Noha, zot oft aberit asher hakimoti beni uben kalbasar asher al aretz. L'arc-en-ciel est généralement regardé comme symbolisant l'union du ciel et de la terre. C'est aussi perçu comme un pont par lequel s'établit la communication entre la terre et le ciel et le signe de leur union. Et l'arc-en-ciel résulte d'une relation étroite avec la pluie. Et la pluie représente symboliquement la descente des influences célestes, des grâces divines dans le monde terrestre. On parle aussi d'alliance entre Dieu et Abraham dans la Genèse où il est dit « J'établirai mon alliance entre moi et toi » et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Vahakimoti, hedberiti veni, uveneka uven zaharka, uhareka ledorotam librit, haolam li yovit leka leholohim, ou les Araka Hareka. Et on parle aussi de l'alliance avec les Hébreux dans l'Exode. Et ceci est relaté dans le Coran, au passage où les Hébreux adorent une idole, tandis que Moïse est parti pour un entretien particulier avec Dieu sur le mont Sinaï. Et Moïse se met en colère. À son retour, il se met en colère contre les Hébreux et leur dit « Ô mon peuple, votre Seigneur ne vous a-t-il pas fait une belle promesse? L'alliance a-t-elle donc été trop longue pour vous ?»« Ya qawmi, alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasana, afatala alaykum al'ahd » Donc le mot Alliance est traduit ici par Ahd.
Non. Quel bagage l'esprit apporte avec lui en venant dans le corps terrestre? Alors, l'esprit divin apporte avec lui des facultés divines. Et nous savons que Dieu est bon et l'esprit est capable de bonté. Nous savons que Dieu est savant et l'homme est capable d'intelligence. Nous savons que Dieu peut être sévère et strict, l'homme peut être capable de justice, même de colère. L'esprit a les facultés que Dieu utilise en tant que créateur. L'esprit a l'intelligence et les émotions, et peut connaître l'amour et la répulsion. Il peut comprendre et raisonner, être déterminé et communiquer. Mais nous sommes aussi, en venant dans ce corps, dotés d'un esprit humain, qu'on appelle l'ego, le moi, nefs en arabe. Et il est doté, il est créé cet esprit humain, et il est doté des mêmes facultés, sauf que comme créé, il est enclin à suivre les besoins de la terre. Et donc nous avons deux esprits, un esprit divin avec des facultés divines, et un esprit humain avec des facultés humaines. Et l'homme varie dans le raisonnement entre ces deux esprits. Donc l'esprit divin doit éduquer l'esprit humain à apprécier ce qui est divin, de telle sorte que l'esprit s'affine, se divinise, pour retourner à la fin de la vie terrestre, pour retourner dans le monde des esprits, sans odeur étrangère, sans fardeau. Il revient dans le monde des esprits comme s'il ne l'avait jamais quitté. Et il apporte avec lui quelque chose de l'énergie humaine qui est devenue divine. D'ailleurs, en arabe, le mot « éducation » est « tarbiya ». On entend dans le mot « tarbiya » « rabba », donc « seigneuriser ». Et c'est le sens du verset 89 dans la sourate « Les poètes » où il dit « Il parle de ceux qui reviennent à leur Seigneur avec un cœur saint. Illa man ata Allah bi qalbin salim. Donc, chaque fois que l'on fait des bonnes actions, mitzvah en hébreu, hasana en arabe, notre esprit participe à la sainteté. On a vu dans l'émission précédente que Dieu a créé l'homme à son image, en faisant de lui un co-créateur dans la création qui n'est pas achevée. Et donc l'homme doit contribuer à améliorer cette création pour se hausser à l'image de Dieu, qui est un projet, un horizon pour lui. Et la condition humaine n'est pas achevée. Elle est embryonnaire dans la mesure où la créature est appelée à son accomplissement. Et le temps de l'histoire humaine est le temps laissé à l'homme pour se faire ou se construire jusqu'au jour du jugement. Et donc, nous posons des actions, nous posons des actes, et parfois nous devons revenir en arrière, parce que nous avons suivi une voie erronée dans ce monde inachevé. Et donc, nous faisons tous des choix. Et au jour du jugement dernier, les attributs divins de miséricorde et de grâce rejoindront les attributs de rigueur et de justice. Donc la création est harmonieuse, mais inachevée, et l'homme doit y contribuer par son action. Et toute activité qui améliore le monde, en l'approchant de l'état d'harmonie dans lequel il était créé, toute activité humaine est une occasion de remplir cette mission, et toute créature peut y contribuer par son action. Lorsqu'on élève notre esprit humain à apprécier la sainteté et le divin, on a élevé le physique à la sainteté et le divin, et on œuvre pour faire le paradis sur terre. Dans la tradition juive, ça s'appelle le tikkun olam. Ceci correspond à la tradition musulmane, à l'ihsan, qu'on peut traduire par l'excellence ou le bel agir. Et c'est une instruction qui est faite
par le prophète de l'islam dans un hadith tiré des 40 hadiths dans lequel il dit Dieu a prescrit à l'ihsan, c'est-à-dire le bel agir, en toute chose. Inna Allah katab al-ihsan ala kulli shay. Cette injonction au bel agir, à l'excellence, est adressée à l'homme qui doit éviter de semer le désordre et la désharmonie après que la terre ait été remise en l'état primordial après le déluge. Ça se trouve dans le Coran. Il dit, et ne semez pas la corruption sur la terre après qu'elle a été réformée. Il dit, wala tufsidu fil ard ba'da islahiha. Donc, par notre foi et par nos actions, l'homme contribue à la réalisation du plan divin et sa miséricorde est proche de ceux qui œuvrent par le bel agir, l'excellence. C'est ce qu'il dit d'ailleurs dans le même verset, il dit « Inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin » car la miséricorde de Dieu est proche des bienfaisants, de ceux qui font le bel agir. Alors, on n'a pas créé le monde. Et ce n'est pas notre plan, parce que ce n'est pas notre création. Et on a oublié que la relation avec Dieu est une relation à deux sens. Ce qui importe est notre action, le bel agir, al-ihsan dans la création. Et nous dépendons de lui. Ceci doit nous amener à réfléchir pourquoi il a créé tout cela. Et donc on ne doit pas percevoir Dieu comme un distributeur de billets. On ne doit pas être un consommateur. Combien vont avec des demandes, donnez-moi ceci, donnez-moi cela. Mais la question est plutôt, que puis-je faire pour vous ? Quand je sais ce que je puis faire, ce que je peux faire pour lui, le reste devient plus facile. Ce dont j'ai besoin n'est plus aussi important. On a tous des besoins. Mais si on peut faire quelque chose pour quelqu'un d'autre, c'est mieux de servir que d'être servi. Et donc, quand vous êtes vivant, vous pouvez faire quelque chose pour le Créateur. Pas quand vous êtes mort. Et dans cette relation avec le Créateur, il y a la prière. Et l'espace et le temps sont des variables à laquelle toutes les créatures et la création sont soumises. Le temps de la journée d'un croyant dans les trois traditions monothéistes est rythmé par la prière. Dans la tradition chrétienne, on parle de la liturgie des heures. En fait, il y a 7 offices en moyenne pour les laïcs. La liturgie des heures a pris de nombreuses formes au cours des siècles et suivant aussi les différentes confessions chrétiennes, mais le principe est resté le même. Prier tout au long de la journée afin de, je cite, « prier sans cesse selon ce que Jésus-Christ a demandé à ses disciples ». Et dans le Vatican II, le concile de Vatican II, qui s'est terminé en décembre 1965, il est dit ceci, je cite, « L'office divin, donc la liturgie des heures, d'après l'antique tradition chrétienne, l'antique, c'est-à-dire en remontant à ses origines, est constitué de telle façon que tout le déroulement du jour et de la nuit soit consacré par la louange de Dieu. » Et donc les prières de la journée commencent par les matines, entre minuit et le lever du soleil, et s'égrènent tout au long de la journée jusqu'au complice le soir, avant le coucher du soleil. Et donc ces prières portaient des noms tels que les laudes, les sextes, les tierces, les nones, les vêpres, les complices. Mais combien encore une vague connaissance de cela où on en a même entendu parler. La loi judaïque
fait obligation aux croyants de prier trois fois par jour, le matin, l'après-midi et le soir. Alors la prière du matin est le Sharith, la prière de l'après-midi Minha, et Ma'ariv, la prière du soir. Et cette prière est principalement constituée du Shema et du Shema Nesre. On en parlera un peu plus lors de la prochaine émission. Et les psaumes, qui sont également dans la Bible, dans l'Ancienne Alliance, étaient également partie de la prière du matin. Quant à la prière, aux prières prescrites aux musulmans, elles sont au nombre de 5, qui vont de l'aube, al-fajr, la prière du midi, al-dhuhr, la prière de l'après-midi, al-asr, le coucher du soleil, al-maghrib, et al-aïcha, la prière de la nuit. Et le Très-Haut nous enjoint à respecter la prière et d'être sincères dans notre culte, parce que il est dit dans le Coran que la prière vous préserve des actions blâmables et du péché. Il est dans la sourate l'araignée. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Donc la prière sincère vous préserve des actions blâmables et répréhensibles. La semaine prochaine, on se penchera sur les degrés de la prière et nous aurons plus nous approfondirons cette notion de prière. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous santé, bonheur, beaucoup de bonnes choses. Bonne journée, au revoir. Salam alaikum, shalom.